Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de Xur. Donc, cette semaine, il sera sur la Terre au niveau du creek, enfin, de la crique sinueuse. Donc, cette semaine, Xur a à nous proposer en plus de l'engramme à 97 éclats exotiques qui sera donc une armure que vous ne possédez pas en priorité. Hein, bien évidemment, que si vous avez toutes les armures exotiques correspondant à votre perso, ça va en faire looter un aléatoire. Donc en arme, on a l'opportun cette semaine, et c'est vrai qu'il est un pistolet mitrailleur assez intéressant. Donc la cadence de tir et le recul augmentent lorsqu'on maintient la détente enfoncée. Bon, ça après, comme plus ou moins toutes les armes. Mais chose très intéressante, c'est que les frags vont nous permettre de remplir partiellement le chargeur. Et à partir du moment où vous allez avoir le catalyseur, à partir du moment où vous allez faire un frag, même s'il reste une seule mune dans le chargeur, vous allez retrouver l'intégralité de votre chargeur. Donc ça, c'est vraiment assez intéressant. Au niveau du chasseur, donc on a un torse qui va nous permettre d'obtenir une deuxième charge d'esquive, donc c'est vrai que ça peut être intéressant, admettons, sur l'abyssal pour être fufu beaucoup plus longtemps. Au niveau du titan, donc un torse encore une fois qui va nous permettre de générer une orbe de lumière supplémentaire quand on va activer notre super, et en plus quand on va claquer notre barricade, ça va permettre d'activer le soin justement à nos alliés qui sont vraiment à proximité de cette barricade. Et sur l'arcaniste, donc un casque ce coup-ci pour les casques Nova, donc qui va nous fournir une résistance aux dégâts supplémentaires pendant justement l'activation de notre bombe Nova, et les frags réalisés avec celle-ci vont nous permettre de récupérer de l'énergie de super, donc c'est vrai que ça peut être assez intéressant. N'oubliez pas que maintenant vous pouvez changer les éléments correspondants, donc là il nous la donne en énergie cryo, donc forcément pour la Nova ça ne sert à rien entre guillemets, donc pour le coup là vous pouvez la changer et la mettre vraiment en abyssal. Sur ce, bonne game à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.